Le groupe État islamique est désormais aux portes d'Alep. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'organisation a profité des frappes russes sur les rebelles dans cette région pour gagner du terrain et s'emparer de localités situées au nord de la deuxième ville du pays. Alep est divisée entre des secteurs ouest aux mains du régime et des secteurs sous contrôle de plusieurs groupes insurgés dont le front al-Nosra et des rebelles locaux. Les rebelles sont maîtres de la plus grande partie de la province, tandis que le groupe État islamique n'est présent que dans le nord. Toujours dans la région d'Alep, cette fois dans l'Est, un haut commandant des gardiens de la révolution iranien, le général Hossein Hamedani, a été tué dans un bombardement. Selon Téhéran, c'est Daesh qui est responsable de sa mort. Depuis le début du conflit, l'Iran soutient le régime de Bachar al-Assad. 7 000 membres des gardiens de la révolution ont été envoyés dans le pays.